tous et bienvenue sur la chaîne Entre Brushing et Cuisine. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau test produit. Nous allons tester ceci. Ce sont des eyeliner stickers décoratifs de la marque Beauty Sticker. Voilà. Il y en a un assez arabesque, je dirais, et un autre plus typé Halloween. Et puisqu'on est dans la période d'Halloween, je me suis dit, allons-y, banco, c'est parti, fais-toi plaisir, quoi. Voilà. Alors, je vous propose de tester ça aujourd'hui ensemble. Je vous mets le lien où je les ai achetés en barre d'infos, ça m'a pas coûté bien cher et je les ai encore une fois achetés sur AliExpress. On va faire ça ensemble. La dernière fois que j'ai fait des eyeliner tatouages, et je vous les mettrai dans la petite fiche là, c'était pas une réussite du tout. Et ceux-là en plus ont de l'eyeliner en bas. Donc je pense que... Je pense qu'on part à la catastrophe, hein, soyons clairs. Mais moi, the show must go on, alors je teste. C'est parti, go, on teste. Bien sûr, si tu aimes ce type de vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Si tu aimes celle-ci, n'hésite pas à mettre des pouces vers le soleil et les étoiles. Et je vous propose de commencer de suite. Et on testera certainement d'autres marques dans pas très longtemps. Parce que j'aime bien ce genre de test. C'est marrant. On est parti. Je vous propose de commencer par cela. Par la version un peu arabesque de la chose. Bien sûr, j'ai déjà de l'eyeliner, je n'ai pas de fard sur mes yeux. Je me pose la question suivante, est-ce que je dois mettre vraiment en ras d'œil? Je sais pas si ça se dit en ras d'œil, mais vous aurez compris. Ce style d'eyeliner se met notamment pour une soirée classique, vous voyez, un repas avec votre patron, des choses comme ça, c'est important de faire soft. Hop, je prends mon petit gobelet d'eau, ma dignité et moi, et c'est parti. J'enlève. Je vais tenter d'appliquer. Si possible, pas sur mes cils. Je me sens pas du tout à l'aise quand je fais des trucs comme ça. Voilà, hein. Il faut être généreux en termes de tapotage. Ça c'est important, la générosité du tapotage. Qui pense que ça va être un échec? Et vous savez quoi? Peut-être pas. Peut-être que ça va être très beau, très élégant. Typiquement pour un... pour une soirée déguisée. Je sais pas pourquoi quand je ne tiens pas le coton, j'arrive pas à parler. C'est comme si j'étais paralysée d'ici parce que je veux pas que ça bouge. C'est très bizarre à dire. Oh, comment je vais enlever ça? Alors c'est censé être beau. Je tiens à vous le dire. On est parti. On est parti. C'est trop moche. C'est super agréable. Encore une fois. De toute beauté. Et je trouve vraiment qu'il y a du charme. C'est immonde. En fait, ma paupière est collée. C'est très bizarre à dire. J'ai perdu la mobilité de la paupière. Pourquoi je fais des tests comme ça? Après, comment j'enlève ça, moi? Comment j'enlève? YOLO, comme disaient les jeunes. Et ben, en dessous, c'est pas trop moche. Et nous allons utiliser le en dessous de l'autre œil pour le mettre au-dessus de celui-là. On fait un peu les fifous. On fait un peu le truc à notre sauce. Je me sens un peu make-up artiste ce soir. Ah mince. Pascaline, est-ce que tu es teubée? Mais oui, tu es teubée. Je peux pas la mettre en ratil. J'aurais pu la mettre en ratil là, mais pas là-bas. Oh non, mon plan machiavélique tombe. On n'est pas dans de l'épanouissement de la personne, là. Non, non, non. C'est pas moche-moche le bas, quand même, hein. The show must go on, Pascaline. Tu t'es loupée. Tu assumes. Oh là là, c'est pire que l'autre. Ah, mais c'est une boucherie. Je sais pas comment je vais enlever ça. C'est pas drôle. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Oh là là, plus je regarde et plus je trouve ça moche. Ah, mais ça fait super mal. C'est anarchie. C'est très très désagréable à enlever. À porter, c'est pas le plus sympa. Et à enlever, je vous raconte pas. Donc, j'ai éteint la caméra. Enfin non, c'est faux, elle s'est éteinte toute seule.
parce que je pense qu'elle avait, pitié pour moi, donc elle s'est éteinte. Comme vous pouvez le voir, j'ai plus rien et j'ai les yeux très rouges et j'ai très très mal. Et c'était pas du tout agréable à enlever. Faire le truc jusqu'au bout, on va faire ça là. On va faire la version Halloween. J'ai beaucoup trop espoir dans des produits bizarres, moi. Faudrait vraiment que je me calme. Voilà la version Halloween, qui est quand même mignonne, hein. Avec la petite araignée et tout, moi je trouve ça très choupinou. Non, là, mes yeux me brûlent. J'ai deux yeux, au pire j'en sacrifie un. Le droit, il me sert pas beaucoup. Qu'est-ce que je fais? Un échec de plus, un de moins, hein. Cette chaîne, on aura connu pas mal. C'est mitigé, on va dire. Déjà, oh mon dieu, c'est pas du tout encore moins agréable que l'autre. Il y a quelque chose. Arrêtez de vous moquer derrière parce que je sais qu'il y en a plein qui doivent se marrer là. On va faire ce qu'on avait prévu de faire initialement tout à l'heure, mais que trop stupide, je n'ai pas bien calculé. Soyons bien clairs. Je sens le fail. Je sens le fail. Bon, pas du tout agréable. Oh là là, j'ai... En fait, je l'ai collé dans mon œil là. Je l'ai collé dans mon œil le truc. Pas si moche. Non, si, hein. C'est moche. On va faire un truc... On va faire une création. Je vais prendre la petite araignée de l'autre œil et la mettre vers un de mes coins internes là. Comme si c'était une larme. Une larme d'araignée. J'ai envie de vous dire, j'ai plus rien à perdre. On est d'accord que c'est un échec. Hein, on va pas se le cacher. Je me demandais qui les achetait. Bah, à part des gens comme moi, je vois pas. Hein. Je pleure une araignée. Oui! On va essayer en haut de sourcil. Je vous ai dit que c'était conceptuel. Cette fois-ci. Sommes-nous là pour créer? Oui. Suis-je quelqu'un de créatif? Oui. Est-ce que je le prouve? Oui. Est-ce qu'il est fait pour mon sourcil? Non. Pascaline, les bons tuyaux, bonjour. On enlève ensemble. C'est conceptuel. J'essaye vraiment de trouver des solutions, mais non. Je vous propose de faire les plus et les moins de ce produit avec ce maquillage halloweenesque splendide. Il faut bien l'avouer. En termes de plus produit, honnêtement, je vais dire que c'est original. Parce que j'ai rarement vu des choses comme ça sur le marché. Donc c'est quand même très original. Il y en a pour tous les goûts. Le petit côté arabesque était sympathique. Loupé, mais sympathique. Donc, originalité, oui. Je vais dire que ça tient. Parce que ça tient bien. La tenue est pas mal. Ça, c'est sûr. Également, je dirais le prix. Parce que c'était vraiment pas cher. Tu me diras, pas cher, pas bon, comme dirait ma maman. Mais bon, c'est pas grave. En termes de points négatifs, en termes d'application, c'est pas ce qui est le plus concluant. Hein ? Voilà. En termes de confort... Le confort n'est pas là, c'est très désagréable, j'ai de la colle dessus, voilà. Le démaquillage, non, c'est très douloureux, c'est très dur à partir. Je souffre quand je le fais et je mets 15 minutes, tout va bien. Donc on va mettre une note au produit, j'avais mis un pour les eyeliner tatouage dont je vous ai mis la petite fiche. Cette partie là passe encore, je trouve. Dites-le moi en commentaire. Donc du coup, je vais mettre un 2 sur 10 à ce produit parce qu'il est quand même mieux pour moi que les eyeliner tatouages. Mais ça reste pas un produit de fou. Soyons clairs. Et bien voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis bah du coup, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut. Toute ma grâce, je passe. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette mèche rebelle? Je ne sais pas. Je sais pas si t'es droit. N'hésite pas à mettre des pouces vers le soleil. Bien sûr, bien sûr. Je suis trop basse, vous êtes tout petit. Vous êtes tout petit, je vais vous monter. J'ai perdu mes ciseaux, je perds toujours tout. Où est-ce que j'ai mis mes ciseaux? C'est pas possible. Ah bah ils sont là. Je me fatigue. J'ai peur. Mon téléphone aussi a peur. Je me demande à chaque fois que je fais des tests comme ça, pourquoi je fais des tests comme ça. Parce que, entre vous et moi, je sais déjà que ça va être un échec, je pense. Peut-être pas, je peux être surprise, quoi que vous me direz. Et je sais que je vais galérer à enlever comme la dernière fois.
C'est ça. Ok. Ça va. Ok, il veut vraiment pas rester avec moi. C'est mauvais signe. C'est mon karma qui me dit arrête et ne l'applique pas, arrête tes bêtises. Toujours pas pratique à mettre, j'ai du mal à le dire. C'est moins moche quand c'est comme ça, hein. Quand c'est déstructuré, c'est moins moche. Il y a un truc à faire, il y a un truc à faire.